Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. Et Nadia Dame pour son coup de patte. Dites-moi, on ne serait pas en octobre rose? Oui, on est le 4 octobre et pour la 24e année consécutive, le monde entier va se mobiliser contre le cancer du sein pour encourager le dépistage précoce et aussi tenter de recueillir des fonds pour la recherche qui en a plus besoin que jamais. On peut rappeler que le cancer du sein touche 54 000 femmes en France chaque année, d'où ce mois de sensibilisation qui s'appelle donc octobre rose. Octobre parce que ça se passe en octobre, et rose parce que c'est pour les filles et parce que c'est devenu un vaste mélange entre les soldes privés chez Sephora et une boîte de chocolat Mon Chéri à la liqueur. On est passé par je ne sais quelle magie de recherche contre le cancer à une Saint-Valentin qui durerait un mois. La faute à ce qu'on appelle le pinkwashing, soit le fait pour les marques de s'acheter une image de mécène à peu de frais, parce que aussi cynique que ça puisse paraître, le cancer du sein, eh ben c'est devenu une aubaine marketing. Et ben du coup, eh oui, pendant un mois, on a l'impression d'être coincé dans une pub pour des collants. Alors j'ai plein d'exemples. Par exemple, le fleuriste au nom de la rose s'engage à reverser 1 euro pour un bouquet acheté à 39 euros le premier prix. On peut appeler ça de la philanthropie en freelance. La marque GHD qui a créé des sèche-cheveux et des lisseurs roses pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Vous ne voyez pas le rapport entre le cancer et un brushing, c'est normal. Moi non plus. Et alors je vous parle même pas de la ville de Nîmes qui a installé une paire de seins géantes et gonflables de 300 mètres carrés dans laquelle les visiteurs pourront se promener. Moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la journée mondiale de la lutte contre le cancer de la prostate, peut-être une piñata géante en forme d'urètre, qui sait. Mais mes préférés en termes de grosses récup, eh ben ce sont bien les blogueuses mode et beauté qui surfent sur la vague allègrement en présentant des total look roses et qui mettent en valeur la poitrine. Ouais, si. On peut lutter contre le cancer avec un décolleté et ça, l'Institut Curie n'y avait même pas pensé, les nuls. Et on trouve également des tutos maquillage dans les tons pink, pêche, corail et grenat. Et ça aussi, je vous jure que ça existe. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez rosée, étant donné que c'est sur le thème, entre guillemets, de l'octobre rose, du cancer du sein. Alors ça, ça me donne, entre guillemets, envie de chialer. Et c'est parti pour un mois. Oui, octobre rose, qui est aussi quelque chose effectivement de très sérieux. On en parle un peu sur Europe 1, évidemment, voilà. Et on recevra évidemment les personnes qui luttent contre la maladie efficacement. C'était le coup de patte de Nadia Dame à 6h58. Ne bougez pas, Patrick Cohen arrive. Europe 1.